Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons l'une des écuries les plus performantes du moment. Que ce soit en amateur ou en professionnel, la Old School Academy fait parler d'elle. Et justement, eh bien, le chef d'écurie est avec nous, Gaëtan Hurtel, ainsi que son poulain, Alvin Lovensky, à l'affiche du prochain MMA GP au Zénith. Bonsoir messieurs et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Mais avant de parler de nos invités Spotlight, eh bien, il y a le tour de l'actualité avec Sébastien Love. Avec le MMA amateur, le drapeau français est en berne. Seulement deux médailles tricolores donc au championnat du monde IMAF et pas du métal doré. C'était deux médailles de bronze avec Sui Lareski chez les juniors en bantamweight et Delphine Benoaïch en strawweight chez les seniors. Voilà, donc c'est dommage, on attendait beaucoup de l'équipe de France, malheureusement les résultats n'ont pas été au rendez-vous, mais ils sauront rebondir, on leur fait confiance. Sinon, les nations qui ont fait très forte impression, le Tadjikistan, le Kazakhstan, également le Bahreïn. Voilà pour les news sur l'IMAF. Et alors du côté pro, on a aussi le Bellator Paris qui est complètement remanié puisqu'il y a eu du gros changement, et notamment avec l'adversaire de Mansour Barnaoui. Ben oui, Sydney Outlaw, d'ailleurs il porte très bien son nom, donc qui a été suspendu après avoir fait un cocktail dans son smoothie il a abusé du multivitaminé, voilà, c'est ça Ostarine, cardarine et anastrozol. Donc voilà, ça ne marchera pas. C'est marrant, je connais pas ce... Ah, c'est fou, donc c'est Brent Primus qui intègre le tournoi, donc lightweight, le tournoi à 1 million de dollars. Alors Primus, ce n'est pas le premier venu, hein, il est pensionnaire du Bellator depuis 2013. C'est l'ancien champion lightweight de la catégorie. Il avait battu Michael Chandler par arrêt du médecin, je me souviens, j'avais commenté ce combat. Gros problème sur la cheville de Chandler. Bref, donc il a remporté la ceinture. Il avait voulu la remettre en jeu. Malheureusement, c'est lui à son tour qui s'est blessé, mais avant le combat, blessure au genou, et c'était Brandon Gertz qui avait pris sa place. Il y a eu un combat revanche avec Chandler, il avait perdu Brent Primus. C'est quand même 14 combats, il a 11 victoires, dont 6 par soumission et 2 par KO. C'est un jiu-jitsu sous 4 formations. Il reste sur une défaite au Bellator, c'était au Bellator 282, c'était en juin 2022. Mais attention, c'est un client parce qu'il a une grosse expérience, hein, énormément de combats. Mais je ne le vois pas inquiéter Mansour Barnaoui autre mesure. Voilà. Et lumière maintenant sur cette écurie qui fait beaucoup parler d'elle, la Old School Academy. On pourrait presque dire la New School Academy parce qu'il y a de nombreux jeunes qui ont du potentiel et on les a vus à l'œuvre. La dernière performance en date, c'était à la Supreme League. Ils ont envoyé un message très fort. Replay. Et on peut dire que tu es en train de nous créer une armée de jeunes spartiates, Gaëtan. Tu es notre invité Spotlight ainsi que Alvin. C'est parti. Gaëtan, quelle est la recette pour faire un champion de MMA? Parce que là, clairement, on en a plusieurs qui arrivent. Bonne question. Du travail, évidemment. Du travail, avoir une... croire en sa pédagogie, croire en son contenu. Et puis, réussir à créer un ADN dans sa structure. Fidéliser ses adhérents. Et puis, y consacrer tout son temps. Avant de devenir coach, tu étais un grand combattant. On se rappelle de quelques combats, notamment au 100% Fight, où tu as pas mal fait tes armes. Tu es passé donc du judo à haut niveau, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Tu étais à quel niveau en judo? J'étais deuxième div en individuel. Ouais. Et j'ai pu faire les championnats de France première division avec Sucy Judo. Par équipe? Oui, d'accord. Équipe. Depuis, tu as fait la transition vers le MMA, un parcours probant puisque tu as quitté l'univers du combat avec un palmarès de 8 victoires, 3 défaites, ce qui est excellent. Pour quelle raison tu as raccroché les gants en 2014? Parce que le MMA, c'était pas, même si ça peut paraître récent, 2014, ce n'était pas structuré comme ça l'est aujourd'hui. C'est vrai. Il n'y avait pas beaucoup de combattants finalement dans nos catégories respectives. Et j'étais confronté à beaucoup de désistements de dernière minute. Et comme je perdais du poids, je coupais du poids pour préparer mes combats. Les annulations à répétition, ça a eu raison de moi, ça m'a découragé. C'est vrai? Ouais. Parce que tu sentais que c'était délétère pour ta santé même? Ouais, c'était des concessions. J'étais déjà père de 2 enfants, j'étais pris dans un travail à temps plein, en plus des cours que je donnais. Mmh. Donc donner des cours quand on est au régime et en préparation de combat, c'est pas évident. C'est un clair. Exercice compliqué. Et quand le moment venu, on a des annulations qui se répètent, c'est... on finit par se dire stop. Et comme je n'avais pas une volonté de faire grosse carrière non plus,
c'était plutôt une pratique plaisir. C'est vrai? Ouais, je me suis orienté vers. J'ai consacré mon temps à entraîner les. Mais quand on a eu ton niveau, parce que tu avais un très bon niveau, et tu étais très complet quand même, est-ce qu'on regarde le MMA d'aujourd'hui avec un peu de nostalgie? Est-ce qu'on se dit, ah, j'en ai encore sous le pied? Ou non, plus du tout? C'est vraiment un deuil que tu as fait de ta carrière? Non, je suis en paix. J'avoue que si l'opportunité de faire un dernier combat, mais ça m'a. Des fois, ça me trotte dans la tête. Et en même temps, j'ai envie de dire que je n'ai pas envie de mélanger toutes les. Ouais, toutes les casquettes, je suis devenu le coach de la Old School Academy et je crois qu'en devenir un combattant aujourd'hui, ça aurait pas grand intérêt et pas de sens. Ouais. Et est-ce que justement, tu arrives à combler ce manque du combattant? Est-ce que tu arrives à le combler en tant qu'entraîneur? Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai? Ouais, à 1000%. Je suis justement parce que moi, quand je combattais, j'étais dans le plaisir, même si j'ai toujours été, parce que j'ai été compétiteur de haut niveau en judo, donc j'étais quand même dans une recherche de performance. Mais au-delà de ça, je n'avais pas d'objectif à long terme. Donc, c'était pas chez mes jeunes qui ont un gros potentiel aujourd'hui et qui nourrissent des ambitions. Quand je suis de l'autre côté de la cage, je stresse au moins autant qu'eux, ouais, si ce n'est plus. Ouais. Chaque combat, c'est des combats en jeu. Ouais. Je pense même que c'est presque plus difficile d'être coach parce que tu n'as pas le pouvoir sur ce qui est en train de se passer. Tu sais ce qui pourrait fonctionner, mais tu n'as pas le pouvoir. Et j'imagine que on se sent un petit peu responsable aussi. Et dans la victoire un peu, mais dans la défaite aussi, ces moments-là, ils sont durs à vivre en tant que coach? Ils l'ont été beaucoup au début. Quoi. Le temps que la Old School Academy soit reconnue par mes pairs comme un club qui fonctionne, comme un club qui performe, avant ça, il y a eu des étapes qui ont été où j'étais un petit peu dans l'appréhension. C'est-à-dire qu'il est arrivé que sur certains plateaux, j'emmène 3-4 gars combattre. J'avais les projecteurs qui étaient sur nous. Ma crainte, c'était que les 4 prennent une branlée. Puis là, finalement, je devenais le responsable de cette branlée, en fait. C'est une branlée collective et ça me faisait peur. Aujourd'hui, j'ai passé ce truc-là. On fait du haut niveau, on a des gars qui prennent des garçons très forts en face. La défaite, elle fait partie du jeu, malheureusement. Mais je suis en paix avec notre niveau aujourd'hui. D'accord. Je vois, c'est marrant parce que Gaëtan, moi, je l'ai connu à haute tension. Donc, vous vous entraînez ensemble, tous les deux? En fait, un jour, Jean-Marie me dit, viens t'entraîner, tu vas mettre les gants avec un gars qui est hyper chiant, tu vas voir, il est hyper chiant. Reste très mouet et boxe-le. Et on a mis les gants ensemble, et c'est une tannée. Et du coup, il a créé une armée de combattants chiants, quoi. Et maintenant, quand je vois les combattants de la Old School Academy, je vois Gaëtan. Moi, j'ai expliqué plusieurs de ses combats au 100% fight. Ah, tu vois Gaëtan à travers eux? Ah, je vois Gaëtan. Ah ouais. Donc, j'ai cet attachement à la Old School parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui me reviennent, l'époque Jean-Marie Merchet et tout. Et quand je le vois, je me souviens toujours de Jean-Marie qui disait, j'ai un gars. Oh, tu vas voir, tu vas se piquer un gars. Gaëtan Hurtel, tu vois, le mec, c'est un judoka, mais tu vas voir. Et c'est vrai que j'avais toujours plaisir à le spiquer, à le voir combattre. Tu as fait une très belle guerre avec Mansour. Ouais. Justement, Mansour. J'aimerais en parler. Guerre avec Mansour. Mais quand on voit Mansour, justement, combattre au Bellator pour un tournoi à 1 million, ça te titille pas des fois? Non. Il était beaucoup plus jeune que moi, donc il avait tout l'avenir devant lui. Ouais. Par contre, c'est un honneur d'avoir participé pas pour prendre des merguez, en fait, pour prendre des athlètes. Donc, c'était un gros plaisir. Ouais, il est aussi dur qu'on le dit ou pas? Moi, le souvenir que j'en ai, déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. C'était pesé le jour même. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je coupais du poids. Donc, pesé midi, combat le soir. C'était un format à 3 combats dans la soirée. Ah ouais. Je prends Mansour en finale. J'arrive, je suis déjà rincé de dingue. Et puis, Mansour, c'est un rouleau compresseur, en fait. Il met la marche avant tout le temps. Donc, je suis arrivé deuxième round. C'est compliqué, ouais. Tu le vois gagner 1 million au Bellator ou pas? Ouais, je lui souhaite. Ouais. Déjà, pour commencer. Mais sportivement et objectivement, tu penses qu'il en est capable? Ouais, il en est capable. Après, le tournoi, il est extrêmement relevé. C'est clair. Du coup, ça ne va pas être une promenade de santé, mais il a les compétences pour le faire. Ouais. Pour en revenir à la Old School Academy, Alvin, toi, qu'est-ce qui t'a amené chez Gaëtan? C'est sa réputation ou c'est simplement parce que c'était le club local? Ouais, c'était parce que c'était le club local. Club local, et finalement, la flamme s'est allumée. Ouais, voilà. Et je suis resté. Et comment ça se fait alors que tu t'es mis au MMA? À la base, c'était juste pour faire du sport, parce que je faisais rien du tout. C'est vrai? Ouais, et donc je me suis dit, il faut que je fasse un peu de sport. Et Gaëtan, il a réveillé quelque chose chez toi, un démon? Ouais, voilà. Et après, j'ai continué. C'est vrai? Aimé, ouais. Tu te souviens de ton premier combat? Ah ouais, je me rappelle, c'était au KOC. KOC Cognac. Ouais, je me rappelle. Je me souviens, c'est moi qui t'ai Tout le monde est passé par le KOC, je crois. Il y en a beaucoup qui sont passés par le KOC. C'est un peu la référence. Big up d'ailleurs aux organisateurs. Sur tes 9 combats, je t'ai expliqué 7 fois. Oh, ça m'étonne pas, ouais.
7 fois et 2 fois en Suisse. Mais t'es quelqu'un, toi, dis-nous. Non, mais 2 fois au HFC. Tu sais que le speaker, il joue dans la performance un petit peu. Hein. L'énergie, tu crois? Ouais, ça joue. C'est nous, c'est un plaisir aussi. Hein. Moi, c'est je suis fan, j'adore. Ah ouais. On aime l'avoir dans la cage. On aime. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et ça, et quand le mec te speak et qu'il te doit, il te donne de l'énergie, ouais, ça joue. Hein. Et en parlant d'énergie collective, vous vous déplacez énormément en groupe. Donc, on pourrait presque vous comparer à une meute de loups parce que vraiment, vous faites corps. Est-ce que c'est la force de la Old School Academy de se déplacer en groupe comme ça? Parce qu'on a vraiment l'impression que la billetterie, elle est presque remplie grâce à vous, en fait. Ouais. En tout cas, elle révèle ce qu'on est. Quand je parlais d'ADN, c'est-à-dire que la Old School, ce n'est pas uniquement un club qui fait du haut niveau ou qui cherche à faire du haut niveau. C'est un club qui laisse la place à tout à chacun. Du plus bas niveau, le loisir, la personne qui vient pour décompresser jusqu'à la performance. Et comme j'attache une importance toute particulière à donner la même place à chacun d'entre eux, les gens se sentent concernés. Quand des combattants du club combattent de haut niveau, ils ont envie d'être là, ils ont envie de les soutenir. Il y a vraiment cette relation familiale à l'Old School. Ouais. Mais est-ce qu'il y a cette démarche de responsabiliser les gens, de leur dire de venir, justement, parce que le soutien compte, et aussi parce que ça envoie un message, quelque part. Parce que, qu'on le veuille ou non, au niveau subliminal, ça intimide les autres, ça intimide les adversaires, ça peut même intimider les juges. Hein. Bien sûr. Quand tu mets une pitchinette qui n'a pas d'impact, mais que tu cries « Ouh !» à l'unisson, l'arbitre, il se dit « Ah ouais, peut-être que j'ai loupé quelque chose. » Dans les présentations, quand tu expliques quelqu'un de la Old School, tu dis son prénom, ça résonne partout. Ouais. Parce qu'il se déplace, c'est ça. Et c'est comme tu dis, l'ADN. C'est que tu as réussi à créer ce truc à la fois familial, à la fois très compétiteur. Et les gens se déplacent pour soutenir, soutenir la famille. En fait, voilà, pour caricaturer, c'est une petite famille. Mais il y a très peu de clubs qui sont comme ça. Enfin, pour le coup, j'ai commenté pas mal d'événements et la Old School Academy fait corps. Quoi. Ah, c'est... quand tu sais que tu as quelqu'un de la Old School sur une carte... T'es organisateur, tu sais que ta billetterie, elle va, c'est bien et qu'il va y avoir de l'ambiance. Il y aura de l'ambiance, voilà. C'est surtout ça. Il y aura de l'ambiance. D'ailleurs, il y a 5000 places au Zénith à remplir. Vous avez invité toute la ville de Villecrène ou pas? Non, de. Pardon, c'est où déjà? De bon. Ah oui, là, Villecrène. Mais non, je demande pas aux gens de venir, ça se fait de manière assez spontanée. Il y a d'autres endroits où je fais des interventions MMA, donc avec moins d'engagement qu'à l'Old School, mais je donne des cours avec des élèves que j'aime beaucoup. Et de même, en fait, sachant que je suis aussi le prof de l'Old School, ils viennent soutenir les combattants de l'Old School, alors qu'ils ne s'entraînent pas nécessairement avec eux. Il y a une espèce d'alchimie comme ça qui fait qu'ils s'identifient aux athlètes de l'Old School, ils ont envie de venir les aider, les soutenir, et c'est très important. Et je pense que toi et ta passion, c'est ce qui suscite aussi l'engagement autour de toi et probablement la manière dont tu les traites aussi, j'imagine. Parce que le management par la bienveillance, il n'y a rien de plus payant, je trouve. Hein. Je crois qu'on peut comparer le rôle de coach à manager. Ah oui. Et je pense qu'on te rend justement ce que tu donnes. Enfin, c'est juste un avis extérieur. Oui, voilà, ça parle de moi. Donc, à la première personne, ce n'est pas évident. Ouais. Mais c'est ce que je ressens chez mes adhérents. Et je les en remercie. Ouais. Dans le milieu, c'est ce qui se dit. Nous extérieurs, on le voit. Ah, Gaëtan, c'est un mec bien. Enfin, tu vois, on ne fait pas du cirage de pompe. Mais c'est effectivement ce qui ressort. Et ça, quand tu as une team comme ça, quand tu as la chance de pouvoir t'entraîner dans une grosse écurie comme la Old School, bah ouais, pour des combattants, genre pour Alvin, qui depuis le début, il a fait ça. Vous êtes actuellement très bien positionné sur la scène française. Qu'en est-il de l'international? Il y a une stratégie par rapport à ça, parce qu'on vous voit beaucoup sur la scène française. Et on aimerait voir peut-être des sociétaires de la Old School Academy, peut-être dans des plus grandes orgas comme KSW, PFL... et Bellator, UFC, est-ce qu'il y a une stratégie par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un manager, un management? On travaille avec, pour certains athlètes, avec Man United, donc qui nous accompagne sur des propositions de combat à l'étranger. Moi, j'ai encore du mal à déléguer. Ouais. C'est peut-être là où il y a un travail à faire, c'est-à-dire que j'ai un regard sur tout. On a une relation particulière avec mes élèves, c'est-à-dire que, moi, sans parler d'argent, mais même sur les pourcentages de primes, pour l'instant, je prends rien sur les primes de mes combattants. Et c'est un choix que je fais volontairement, que beaucoup me reprochent. Mais ça me laisse la liberté d'avoir un regard objectif sur la progression de mes athlètes. Et on ne peut pas m'acheter. C'est-à-dire que je vise que la performance pour eux. Et pour cette raison, pour l'instant, il y a beaucoup de combats à l'étranger, des propositions qui nous ont été faites, qu'on a décidé d'un commun accord avec mes élèves de refuser. Mais on a beaucoup. Parce qu'elles étaient indécentes ou parce qu'elles n'étaient pas équilibrées? C'est des questions. En fait, comme on est encore une jeune institution, l'Old School, des fois, des propositions de combat qui ne sont pas valorisantes pour mes athlètes, qui sont peut-être un petit peu trop prématurées, trop tôt. Casse-pipe.
Voilà, et on fait le choix de continuer. En fait, pour moi, ils ont encore, pour beaucoup d'entre eux, une grosse marge de progression. Ouais. Et il s'agit de les amener à leur maximum avant d'intégrer une grosse ligue et qu'ils puissent s'exprimer et s'éclater dedans. Si c'est pour y aller, servir de faire valoir et faire un aller-retour, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Ouais. Ouais, c'est, voilà. L'idée, c'est qu'ils puissent continuer de se faire connaître auprès du public français, continuer de prendre de l'expérience, s'éclater, parce que c'est un sport où on prend du plaisir aussi. Et puis ensuite, mais on a eu des propositions avec le KSW. Dernièrement, on a eu une proposition pour le Bellator Paris. On est sollicité, donc on ne les bruite pas, mais on a des sollicitations régulières. Ouais. Ouais. D'accord. Et les amateurs qui font du bruit, un peu comme Théo Boudin. Ah oui, tu ne devais pas passer pro, Théo Boudin. Sur Agrin. Ça va se faire, là, le pro, bientôt. Quand je vois un Théo Boudin. En pro, il a largement. C'est clair. Ouais, complètement. Ouais. Ils ont, en fait, c'est l'objectif Supreme League qui a fait qu'on s'est dit, on repousse un petit peu l'échéance. Ah, ouais. Là, il est sollicité, donc on peut en parler maintenant sur le tournoi de la sueur, Fighting Championship, sur le tournoi pour la ceinture de l'AEF. En amateur. En amateur, ouais, donc je ne dirais pas contre qui. Mm-hmm. Mais ils sont sursollicités. Mm-hmm. Et là, pour le coup, c'est sur des amateurs qui ont aussi un très, très gros niveau. Et du coup, pour moi, je me dis que ça va finaliser finalement toute cette partie formation. Oui. Et du coup, ça m'intéresse, donc je repousse un petit peu l'échéance. Mais 2023, septembre, octobre 2023, ils passeront pro. Ils passeront, j'ai 3-4 amateurs qui passeront pro. Et j'en ai d'autres qui poussent derrière, qui eux prendront leur place en amateur. Duragrin, il reste parce qu'il a la ceinture de l'AEF. Il a la ceinture de l'AEF, ouais. Il va la remettre en jeu ou ouais, si, pour... si, ouais, si. Par respect pour l'organisation, et même pour lui, je trouve que c'est sympa de remettre sa ceinture en jeu. Ouais. Et je pense que ça sera la dernière échéance avant de passer pro. Mais avant cela, il y aura le 4 mars prochain le Zénith de Paris. On avait déjà reçu Michael Algerouche sur ce plateau. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le replay sur YouTube de cette émission parce qu'il a une vie juste incroyable, un récit dans les tripes. Michael Algerouche, vraiment, c'est quelqu'un qui est inspirant de par son parcours. Aujourd'hui, on a aussi Alvin Lewinsky sur ce plateau. Alors, la vie de rockstar au Zénith, ça a quel goût? Ah, je sais pas, on va voir ce que ça. Genre, j'ai jamais fait une grande salle encore. C'est vrai, mais ça t'excite pas un petit peu d'être dans une grande salle comme le Zénith ? Ou non, toi, t'es. Un combat, c'est un combat, c'est ça ? Ouais, je vois le combat. Après, c'est la vrai salle, ouais. Peu importe qu'il y ait 5000 personnes, que ce soit le Zénith, un label. Là, pour l'instant, je vois pas. Peut-être quand je vais rentrer, je vais voir. Ouais. Mais là, tu t'en rendras compte sur le moment, tu penses ? Là, pour le moment, tu mets pas une pression particulière. Non, pas encore. Non. Et là, c'est un petit peu, j'ai l'impression, une revanche sur la vie pour toi, parce que tu as été éloigné quand même de la cage entre 2018 et 2022. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période ? Déjà, il y a eu le Covid. Ouais. Avant ça, j'avais perdu, j'étais puni. Tu t'es puni ? Pourquoi on punit chez vous ? Ok. Il est perdant, moi. À la cave. Donc après, il y a eu le Covid. Et après, je me suis fait opérer. Ouais. Donc tout ça. Et j'ai eu beaucoup d'annulations aussi. C'est vrai ? Beaucoup. Et là, après, je suis revenu. Ça fait presque 4 ans d'inactivité ? Ouais, presque. Le retour après, donc en 2022, tu étais un peu stressé ou pas de revenir ? Je voulais faire des bonnes choses. Ouais. Après, stressé, je pense pas parce que je sais que j'ai progressé entre temps. Ouais. Donc, j'avais pas. Donc, t'étais confiant quand même sur la progression. Et puis, tu l'as bien prouvé. Ah oui, là, c'est clair. C'était un KO, quel round déjà ? Troisième. Troisième, énorme. Ok, lui, parce qu'il a mis une feinte de malade mental, de CP. Alors, on va revoir le highlight de ce combat, parce que vraiment, tu nous avais impressionné, regardez. On pouvait avoir la feinte. La feinte. Passer celui-là. Une grosse séquence en boxe anglaise d'Alvin Lewinsky. Essayer de prendre l'extérieur, mais c'est pas évident. Exactement. Là, il faudrait. Oh, et encore oh, là, il frappe fort, il fait mal. Et n'oublie pas qu'il râle à 37 ans, donc le cardio à cet âge-là, c'est plus difficile. Allez, genoux là, exact. Et le crochetage. Oh, il est piquant celui-ci. Ouais. Il est venu chercher le foie. Ouais, on n'a pas envie d'en prendre beaucoup, hein, des comme ça, qu'il est dominant. Et hop, passage dans le dos, le petit coup de hanche. C'était fluide. Petit coup d'épaule. Magnifique. Et de là, il va pouvoir l'amener au sol. Parfait. C'est très bien ce qu'il a fait. Il s'est décalé. Alors là, il est dans une zone très confortable. J'ai sauté du genou. Et le kick, il est pris, il est KO. Magnifique, arbitre arrêté. Voilà. Bravo, bravo. Magnifique. Oh là là, quelle domination. Lewinsky, un monstre encore ce soir au MMA GP. Alvin Lewinsky. Bravo aux deux combattants, Alvin Lewinsky qui l'emporte brillamment avec une tactique aiguisée, un striking incroyable.
incroyable. Et on espère le revoir très vite sur la scène du MMA Grand Prix. Et on a hâte de revoir Calvin dans la scène. Donc là, on ne sera pas au Cirque d'Hiver cette fois-ci, on sera au Zénith face à Fayad Djoumoy. Qu'est-ce qu'on sait de cet adversaire, Seb ? Eh bien, qui nous vient de la Hatch Academy, qu'il a 28 ans. Donc un combattant dur au mal, un peu comme à la old school. On l'a vu à plusieurs fois, donc au 100% fight. Hein, il a combattu 6 fois au 100% fight, pour être précis. Il a perdu son dernier combat, c'était le 100% fight classico, le fameux Paris-Marseille, contre Thomas Glo. Il perd à la décision, mais ça reste un dur au mal. Moi, je me souviens, j'ai des souvenirs de... C'était un combat disputé un peu, non ? Très disputé très contre disputé, Thomas Glo, ouais. Et moi, je me souviens de son combat, j'avais expliqué aussi, à l'European Beatdown, c'était contre... Bocali Oji, il perd, mais pareil, une belle guerre, il va au combat. Voilà, donc on va avoir une guerre a priori. Grosse guerre, je pense qu'Alvin, bon, déjà t'es beaucoup plus grand que Fayad, mais c'est un combat que j'ai envie de voir parce que c'est deux durs au mal, deux personnes que j'apprécie en plus, parce que même Fayad c'est un bon gars. Donc j'ai hâte. Il est important pour toi ce combat ? Ouais, c'est la confirmation. Je suis revenu. La confirmation de ton dernier combat ? Voilà, c'est ça. Faut que tu montres que là, c'était pas un hasard. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Et qu'est-ce qui t'évoque, Djoumoy ? Pour toi, c'est un adversaire que tu respectes, que tu crains, ou au contraire, contre qui tu es confiant ? Non, je le respecte, mais je suis confiant. Ouais. Parce que je sais ce que je sais faire. Et lui, je sais aussi que c'est pas... Toi, c'est un bon combattant. Donc, je respecte et voilà. Un peu une opposition de style, hein, parce que toi, tu es plus striking, j'ai l'impression. Et c'est vrai que Fayad, sur ses 6 victoires, il en a 4 par soumission. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça va vraiment être un peu le. D'accord, donc à celui qui va imposer son style sur l'autre, finalement. L'opposition de style. Quelles ambitions tu as dans le MMA ? Je veux aller le plus loin possible. Hein. Je n'ai pas de rêve ou quoi d'aller. Ouais, t'as pas un objectif d'une organisation, une ceinture ou quelque chose comme ça ? Non, tu veux juste voir de quoi tu es capable. Ouais, je veux voir où ça va me mener. Après, si je peux aller, je vais aller. Ouais. Mais c'est pas... 28 ans ? Ouais. Combien de temps tu te donnes encore ? 3... Je sais pas. Ouais. On va dire jusqu'à 33 ans. Vaut mieux dire ça. 33. Parce que tu vois, moi-même, j'avais dit que j'allais arrêter à 33, j'y suis toujours. En co-main event, on aura aussi Michael Aljarouge. Donc si vous ne connaissez pas Michael, encore une fois, allez voir son émission sur YouTube. C'est l'un de tes meilleurs éléments, Gaëtan. Michael. Ouais. Oui. C'est un niveau UFC. C'est un mec qui pourrait aller dans n'importe quelle grosse organisation mondiale aujourd'hui. Vraiment. C'est un athlète vraiment de fou malade. Il s'entraîne comme un acharné. Pour un flyweight, un 57 kilos, c'est une pierre. Ouais, ça se voit. Il est super dur. Et aujourd'hui, son âge fait que, et puis l'expérience de ses combats fait qu'on arrive sur un garçon qui a une expérience qui lui permet d'appliquer des stratégies de combat, qui est beaucoup moins dans l'émotion quand il fight, et du coup on peut en ressortir vraiment l'aspect technico-tactique. Et c'est un très grand combattant. Alors en revanche, il est dans l'émotion après ses combats. Les interviews, c'était compliqué. Hein. Donc si tu nous entends, Michael, s'il te plaît, cette fois-ci, concentre-toi. Alors, si vous voulez un avant-goût de ce qu'est Michael Aljarouge dans la cage, voici un beau highlight qu'on a concocté pour vous. Monsieur Michael the Soldier Aljarouge. C'est pas Chris là comme ça. Alors c'est vicieux mais c'est risqué aussi. Waouh, le low kick. Regardez, il a ceinturé son adversaire. Ceinturé, ça veut dire qu'il a mis les deux bras autour de la taille. Il faut pas se faire surprendre. Très beau enché, bien contré par Michael Aljarouge. Et c'est touché encore une fois. Ouais, il durcit le tour en anglaise. Oh, coup de genou sauté encore. La vasine devrait contenir la toute petite hémorragie. Si on peut appeler ça. Oui. Oh là 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 là, le tech down de folie. Summer Aysen, on le voit. Il est très bizarre. Il se jette et regardez, ceinturé, waouh ! Magnifique. Allez, maintenant, 2 minutes 30, il va falloir qu'il fasse le combat de sa vie à Summer Aysen s'il veut espérer de l'emporter. Parce que maintenant, c'est trop dangereux les coups de poing retournés, beaucoup trop, on donne le dos. Mauvais délire, surtout à ce moment-là du combat. Oh, les coups de coude. Ah, c'est propre, c'est l'arbitre qui va intervenir, l'arbitre va intervenir. Non, c'est trop tard. Allez, l'arbitre, il faut intervenir, voilà. C'est maintenant, faut protéger l'intégrité physique de Summer Aysen. Bravo à Michael Aljarouge qui a été capable de mettre fin à ce combat. Grosse maîtrise technique.
Vainqueur par TKO dans la troisième reprise, Michael de Saulnier Hojo-Ru. Alors, il avait déjà eu une ceinture, hein, je crois, Michael Aljarouj. Ceinture des contenders, ceinture du 100% fight, 100% fight défendu, défendu une fois. Ouais. Voilà, et justement, son adversaire, lui aussi, a gagné une ceinture au 100% fight. C'était la ceinture des 57 kilos en 2018. Donc, je crois même que c'était la toute première ceinture, ouais. Si ma mémoire est bonne. Donc, son adversaire, c'est Zubir Bouarsa. Qui est Zubir Bouarsa? C'est une ceinture noire, premier dan, de Luta Livrée. Un cadre en pancrace, clairement, mais malheureusement, comme beaucoup d'autres combattants, il a été touché par quelques aléas. Une blessure qui lui a été infligée malheureusement pendant son dernier combat au Bellator à Dublin. C'était en février 2020. Et ce combat donc, lui avait laissé des séquelles. Après, il a enchaîné avec d'autres problèmes. Donc, un parcours très, très périlleux. Il a fallu qu'il s'arme de courage vraiment pour revenir et surtout de persévérance pour revenir au combat. Donc là, je pense qu'il va surtout être en reconquête de lui-même dans ce combat. Bien plus que pour la ceinture, je crois que c'est vraiment pour lui-même qu'il va combattre. Et j'ai l'impression quand même qu'on est sur une fréquence différente entre Michael et Zubir Bouarsa. C'est le sentiment que j'ai. Tu me diras ce que tu en penses, Gaëtan ? Je ne connais pas Zubir. Je sais que c'est un garçon qui a un gros, très gros niveau au sol, qui est un garçon intelligent et avec des vrais outils et des armes dangereuses. Mais en tout cas, connaissant Michael, lui, son objectif, c'est d'aller au plus haut niveau. Donc, si son adversaire ne s'inscrit pas dans cette logique-là, ouais, il y a une opposition entre les deux. Écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un combat de gladiateurs parce qu'on a deux jeunes hommes extrêmement talentueux face à face. Seul bémol pour Zubir, c'est qu'il n'a pas combattu depuis 2020 et forcément, le manque de combat, ça peut être compliqué au niveau du cardio, etc. Mais Alvin est la preuve qu'on peut déjouer tous les pronostics à ce niveau-là. Donc, il va falloir se méfier de Zubir, effectivement. C'est toutes les dramaturgies de ce sport, c'est que les deux sont méritants, les deux méritent qu'on les valorise dans cette ceinture, mais il n'y aura qu'un bras levé. Verdict et dénouement, donc le 4 mars prochain au Zénith. Vraiment, ça, c'est un combat qui me hype au plus haut point. On aura aussi Cédric Doumbé, donc en main event. Est-ce que tu peux nous donner un avis très objectif et très transparent? Qu'est-ce que tu penses de Cédric Doumbé? Je pense que c'est un athlète de très, très haut niveau qui a écrasé la concurrence dans sa discipline initiale. Et qui a un énorme potentiel en MMA. Donc il y a encore une part d'inconnu, il y a de l'incertitude parce qu'on ne l'a jamais vu sur des profils qui le mettent un petit peu en difficulté, notamment sur les phases de lutte et de sol. Mais je crois qu'il sait bien s'entourer et qu'il est suffisamment intelligent et doué sportivement pour être un vrai prospect du MMA français. Très bien, et bien justement, il sera donc en main event le 4 mars au Zénith. Voici la bande-annonce du MMA Grand Prix. Cette victoire, 4 défaites et un autre contest, Monsieur Michael Hojo-Ru. Ce jeu, regardez. Oh, elle est coup de coude. Ah, c'est propre. Allez, arbitre, il faut intervenir. C'est contre l'arbitre. Oh! C'est de la bande-annonce. Le MMA français n'a pas le temps de s'ennuyer. En mars, regardez le calendrier et les rendez-vous immanquables. C'est la folie. Donc déjà, vous réservez votre week-end du 4 mars. Ça, je l'ai assez dit, je pense. Parce qu'après Cédric Doumbé au MMAGP et les ceintures des flyweight, il y aura aussi Cyril Gane dans la même nuit qui va tenter d'écrire l'histoire en affrontant le mastodonte du MMA, John Jones. L'ingérable John Jones, dirons-nous, à voir s'il se présente le jour J, parce que vraiment, j'y croyais plus. Place au Arès ensuite le 9 mars prochain avec un très gros main event entre Damien Lapillus et le vétéran UFC Marco Beltrán. Je vous avoue que ce combat me hype également. Le 11 mars, Hexagone MMA au Futuroscope, une grande première avec deux titres en jeu. Si vous êtes du côté de Poitiers, prenez vite votre billet, ça va être énorme. La dernière étape de la Supreme League aura également lieu le même jour.
Le 17 mars, Morgan Charrière fait son retour au Cage Warrior, tandis que Oumar Sy combat au KSW. Et enfin, le 25 mars, le comeback d'Anthony Salamone dans la cage du PFL. Rien que ça, le mois de mars, franchement, il va nous donner un peu de travail, Seb. Waouh, ouais, gros mois de mars, hein. Super. En tout cas, c'est... Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Vous voyez, ça passe super vite. On va essayer de rallonger le format l'année prochaine parce que tout le monde nous le demande sur les réseaux. Bien. Ça serait bien. Et merci en tout cas à tous pour vos retours, vos feedbacks, c'est hyper important. Gardez la forme, bye, à la semaine prochaine.